Hello, hello! Salut! Et bienvenue pour un nouveau vlog! Alors, programme pour le début de semaine. Il faut qu'on aille faire des petites courses. Parce que j'ai quelque chose à faire aujourd'hui et il manque quelques ingrédients et aussi quelques ustensiles pour le coup. On n'a pas de caissette. Donc, il faut qu'on aille chercher ça. J'ai un colis à aller récupérer dans un point relais. Et déjà, on va s'occuper de tout ça, ce sera pas mal. Ensuite, il faudrait que je me coiffe, entre guillemets, parce que j'ai lavé mes cheveux hier. Je les ai laissés sécher naturellement, sans mettre de produit, rien du tout, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire avec. Et à l'arrivée, ça va, juste cette mèche. Hein, ma frange qui, enfin, on ne peut plus appeler ça une frange maintenant que j'allais se pousser, mais qui ne boucle jamais comme les autres cheveux. Donc je me dis, je vais peut-être faire un petit mouvement dedans pour cet après-midi. Pour l'instant, c'était pas le moment. Voilà, je me suis dit, je ne me suis pas maquillée non plus. Ouh là là, c'est laborieux ce matin. C'est un lundi, c'est normal. Par contre, je me suis habillée. Voilà, j'ai mis ce petit ensemble trop kiki avec le short. J'aime trop, c'est trop mignon, je trouve. Et j'ai sorti la petite paire de crocs rose avec le petit nœud pour aller avec. Et du coup, il me semble que je pensais à autre chose en fait. Aujourd'hui, je voulais faire encore autre chose, mais là, comme ça, je sais plus ce que c'est. Comme d'habitude, je retrouverai. Est-ce que c'est bon, t'es prêt? Ou j'allais dire, est-ce que t'es prêt? C'est bon. Ah, ça marche aussi. Oui. On y va? Allez. Voilà. Pourtant, ce week-end, je me suis un petit peu posée au bord de la piscine, on s'est un petit peu reposé avec Jen. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à démarrer comme ça. C'est un lundi. Ça doit être pour ça. Je prends aussi ces petits sacs-là pour aller avec le look. Et Sam, oui. En même temps, c'était marqué. Oui. Le lundi, ça pique. Et la tasse, j'ai tout assorti aujourd'hui. Voilà. Tout est rose. Ah, trop mignon. Alors, je cherche des caissettes à muffins. Il n'y a que ça. Ah là, regarde au bout. Il y a plein de moules. Est-ce que je vais trouver ce que je souhaite? Je passe devant les assiettes et c'est plus fort que moi. J'ai pas besoin de nouvelles assiettes, mais de temps en temps je suis tentée juste quand je vois qu'elles sont belles comme ça. Même les trucs d'été, oh il est beau celui-ci. Mais oui, ce que j'allais dire, les mugs de toutes les couleurs et tout. Yes, parfait. Hop. On n'avait plus de farine. Je sais pas, fluide. Là. Ouais. Ok, du sucre. Il est par là. Bon, rien à voir, on est passé voir les articles de sport. Et on se disait que Jessie, ça lui ferait peut-être plaisir d'avoir un vélo. Carrément. Ça voudra dire apprendre à faire du vélo. Ouais. Je sais plus à quel âge on a appris à Jen et à Josh à faire du vélo. Je pense que vélo. Je me souviens pas. Et après. À peu près à cet âge-là, ouais. 5-6 ans, on a dû enlever les roulettes. Mm-hmm. Et là, du coup, en voyant tout ça, tu sais à quoi je pense? Ouais, je sais. Il faudra qu'on se penche quand même sur la question de la tente, de tout ça. Petit matelas, waouh. Moi, je propose qu'on parte sur quelque chose de simple. C'est-à-dire, ce qui me fait rêver, c'est les tentes que tu lances en l'air, genre pouf, la tente, elle est faite. Ouais. Tu vois? Et après, ouais. Je pensais aussi deux matelas distincts. Oui. Parce que sinon, quand tu es sur un grand matelas, quand il y en a un qui bouge, l'autre, il bouge avec. Donc, je propose deux matelas collés. Ouais. Mieux. Mm-hmm. Je te vois. C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que... Ah, tu te dis, expérience de ouf. Mais c'est pas ce genre de tente-là dont on a besoin. Non. Non. Nous, c'est celle qui se dépile toute seule. Ah, c'est celle-là. C'est celles qui ont les arceaux comme ça, là. Voilà. Et après, j'ai regardé les dimensions et je me suis dit, vu qu'on aura quand même un peu de la place, trois places pour nous, une deux places pour Josh. Il faut voir qu'on soit à l'aise. Je crois que trois places, ça donne ça. Ouais. Trois places, c'est ça. Regarde, c'est bien, ça. Ouais, c'est cool. De la place pour mettre les matelas et
pour caler les affaires et tout. Ouais. J'imaginais pas que c'était aussi grand quand même, celle qui se déplie toute seule. Le truc, c'est que je me disais, ok, je pense aux tentes, Easy Tente, elles s'appellent, je crois. Ouais. Elles sont faciles à installer. Ouais. Mais tu connais l'histoire ? Pour les ranger. C'est les trucs là pour les filles. Pour remplir. C'est un casse-tête pas possible. Donc on se posera la question en temps voulu. Mais il faudra quand même qu'on se penche vraiment sur l'achat des tentes. Hein. Là, on regarde, on rigole, mais il en faut vraiment. Parce qu'on n'en a vraiment pas, pour le coup. C'est vrai qu'on n'a pas de tente. Non. On n'a jamais acheté de tente ensemble. Ça, c'est pas présenté. C'est vrai. Donc en vrai, on venait ici parce que le porte-clés mousqueton de Sam, ouais, il ferme plus et du coup, fatigué, on perd tout le temps plein de choses dessus. Le truc, c'est que. Attends, il est super gros celui-là. Ouais, il est gros, mais je pense pas que tu je le trouverais petit si à attache. Alors apparemment, il y en aurait des plus petits au rayon bateau ou plongée. Mais t'en as un là. Ça ressemble plus à celui, tu vois, c'est vrai. Et là, quand je vois tout ça, je t'avoue. Ça donne envie. Ouais. Ouais. Ça donne envie. Ça fait longtemps. Ouais, trop longtemps. Ouais, ça fait trop longtemps. Faudra remédier à ça. Et là, Sam se dit, il y a un truc qui ferait trop plaisir à Jessie. C'est pas ça ? C'est ça. Ouais. On a découvert qu'elle adorait jouer au badminton, oui, avec des amis. Et du coup, on s'est dit, bah nous, on en a pas. Donc, on prend le petit set. Elle va être trop contente. C'est grave. Yes, on est revenu. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire des framboises. J'ai aussi pris un petit paquet avec framboises et myrtilles parce que j'ai une petite idée en tête. Voilà, du chocolat blanc, un moule à muffins. Ouh là là, mais je commence à en dire trop. Des petites caissettes, la farine puisque là pour le coup on en avait plus du tout. Le beurre, on va vite mettre au frais et du sucre. En poudre, voilà. Et ça m'a trouvé son mousqueton. Donc ça, c'est trop cool. Et sur ce, bah ouais, je vais tout ranger parce que je m'occuperai de tout ça cet après-midi, je pense, juste après manger. Et j'ai un truc à faire dans mon studio, du coup, je file. Et vous avez pas entendu, Sam qui a mis toutes les clés sur le mousqueton en mode, voilà, maintenant ça tient. Non mais attends, t'as mis où l'ancien? Tu l'as déjà? Tu t'en es déjà débarrassé? Mais... Pourquoi je le trouve pas? Ok. En fait, il fermait vraiment plus. Il se mettait de sur le côté, enfin, il n'y avait rien qui allait. Et moi, à chaque fois que j'ai attrapé les clés, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai toujours perdu un truc par terre. Et maintenant, voilà. Mais en fait, non. T'as dit, voilà. Voilà, à chaque fois que j'enfilais les clés. Du coup, cette fois-ci, je file vraiment. Alors, ça paraît pas. Mais là, avec ça, on était en train de bosser. Ouais. Vraiment. Même si le cadre paraît idyllique, ouais, on est en train de travailler. Mais le fait est que, pour une fois, parce qu'on va pas se le cacher, ces derniers temps, c'était pas tous les jours le cas. Non. Il faisait tellement beau ce matin, on avait un petit brainstorming à faire. On s'est dit, allez, on se cale dehors, on a refait un petit café et on réfléchissait. Et on réfléchit. Différentes idées, comment les articuler, quoi dire, quel effet, enfin voilà. Donc je pense qu'on s'est mis d'accord sur un truc qui a l'air plutôt sympa. En plus, c'est pour un projet. Je trouve le concept juste génial. Ça me plaît trop. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça va faire trop de... Pas de spoil. Voilà, pas de spoil. Mais je vous le dirai après. Si le projet arrive aboutit au bout, voilà, si ça aboutit. Et je vous en reparlerai, je vous dirai voilà pourquoi ça me plaisait trop. C'est vraiment complètement le genre de truc que je kiffe. Bref, du coup, ouais, je pense qu'on est pas mal. Et là, je suis en train de voir qu'il est 11h37, ce qui explique que je commence à avoir faim. En même temps, c'est pas tout à fait anormal, on a fait pas mal de choses ce matin. Donc c'est normal, c'est mon estomac, c'est comme ça, il est réglé, c'est une horloge, il va être midi, j'ai faim. Mais... je vais commencer par terminer mon petit café, comme ça va, j'ai quasiment fini. Et ensuite, on se penchera sur la question de qu'est-ce qu'on mange, parce que ça non plus, on n'y a pas encore réfléchi. Non. Maintenant, on va faire un brainstorming sur qu'est-ce qu'on mange ce midi. On va plutôt improviser. Ouais, une petite salade, un petit truc frais, en mode tranquille. Exactement. Ce sera nickel, surtout avec le temps qu'il fait. Ça, j'adore quand on est dehors. Quand la filtration de la piscine se met en route. En vrai, quand on dit ça comme ça, c'est pas sexy, hein, la filtration de la piscine. Mais ça fait à chaque fois un petit mouvement d'eau. Bah voilà, ça vient de s'arrêter. Et je kiffe ces bruits comme ça, comme la cascade. Quand on met la cascade en route. Je suis complètement à contre-jour, vous ne voyez pas du tout. Vous ne voyez que l'eau de la piscine. Mais pour le coup, la couleur est tellement sympa avec le soleil qu'il y a aujourd'hui.
que je pense que c'est pas mal de voir la piscine plutôt que moi. Voilà de quoi je parlais. Ah, j'aime trop. Jessie est fan. Quand on allume la cascade et les jets d'eau, elle est comme une dingue. Allez, on a bien mangé. Maintenant, let's go pour la petite recette. Alors, j'ai fait la recette. Ensuite, pendant que ça refroidissait, on est allé chercher Jessie à l'école. En revenant, j'ai continué à faire ce que je devais faire. Et je pense qu'au niveau de la réalisation, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai des petits muffins qui ont l'air super méga appétissants. Et au niveau présentation, j'ai tenté la petite assiette avec des fruits framboises et myrtilles, parce que j'ai mis des framboises dans les muffins. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai tenté plusieurs petits angles différents pour des photos, etc. Je vais ranger tout ça et ensuite aller voir de l'autre côté. Je pense que Jessie aura déjà goûté. Donc, autant je lui garde pour son goûter de demain. On va voir. Ou pour le dessert ce soir, pourquoi pas. Et j'ai hâte qu'elle goûte du coup et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et est-ce que pendant que je range, je goûte les framboises? Elles sont bonnes. Myrtille. Sympa aussi. Bon, allez. J'ai quand même rangé, pas tout mangé non plus. Moi, je suis en train de me dire, je vous dis qu'il faut que je range. Parce que vous avez pas vu. Mais j'ai fait un petit peu de chantier. Voilà. Donc là, il faut tout laver, tout ranger quand même. C'est pas juste ranger les fruits, quoi. Enfin, les manger et les ranger en même temps. Bref, vous m'avez comprise. Coucou. Coucou, l'amour. J'ai une surprise pour toi. Regarde. Des muffins. Des muffins framboises chocolat blanc. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont réussis. Ils sont super beaux. Moi, j'ai envie d'en manger. Bah oui, j'allais dire, maintenant, forcément. Il faut que tu goûtes pour nous dire s'ils sont bons. Oui. D'accord, chérie. T'es prête? Oui. Vas-y, dis-nous comment ils sont. Bon. T'as même pas encore mâché, j'aime bien. C'est juste, elle croque. Et c'est bon, déjà. Oui. Alors, maintenant que t'as mâché. Ça va. Là, on peut dire qu'on valide. Sinon, t'as mangé quoi à l'école ce midi? Moi, je me souviens plus. Tu t'en souviens plus? Bah, ton t-shirt, il s'en souvient, je crois. Est-ce que c'était bon au moins? Oui. Oui? Bon, bah, c'est le principal. Du coup, sur ces petites images de muffins que je vais goûter moi aussi. Et Sam a décidé de boire un thé cet après-midi. On va vous laisser pour le vlog du jour parce que j'ai encore du boulot de montage et tout et tout. Donc, on espère qu'il vous aura plu. Oui. En attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Salut, salut. Elle a dit plus vite que toi. Oui, t'es coquine. Bon, écoute, elle continue à le manger. Hein. C'est qu'il doit être vraiment très très bon. Hein. Oui. Je vais goûter. Je sais pas lequel je choisis, parce qu'ils ont tous l'air très sympa. Il y a même sympa. Comment tu peux choisir celui-là, la c'est framboise cassée. C'est tous les mêmes, chérie, je rigolais. Ils ont tous une framboise, je l'ai rajoutée à la fin. Il y en a une, juste avant la cuisson. En fait, il y en a à l'intérieur aussi. T'en as pas une à l'intérieur, toi, pour l'instant? Elle a pas bien croqué, peut-être. Non, mais je pense que tu en as une autre qui se balade, parce qu'il y en a à l'intérieur, et j'en ai rajouté avant de les mettre maman, au four, au-dessus. Maman, ici, t'en vois.